Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Supreme Commander 2. Et aujourd'hui, nous attaquons à la quatrième mission du chapitre 3 qui s'intitule Le Gardien du Portail. Les gardiens royaux ont dérobé des informations et des technologies essentielles qui leur permettront de faire fonctionner l'éco-synthétiseur planétaire connu sous le nom de Shiva Prime, sur Seraphine 7. Vous devez les empêcher d'entrer dans le portail Quantigactère 2 et de voyager jusqu'à la planète où ils se trouvent, bien évidemment. Ben, on va se retrouver là où on se terminait la dernière mission avec les Aéodes. Avec Talia Kell, si je ne me trompe pas son nom. Et Dominic Maradox. On va se retrouver sur la même map. The gate of the eco-synthesizer appears occupied. Indeed. There are 5 commanders in the area, and 2 appear to be former classmates of yours. A Dominic Maddox and a Thalia Kael. And if the intel I have gathered is correct, both are wanted for treason. Dominic, Thalia, this is Ivan Brackman. Why, if it isn't my old roommate, long time no see. Sure could use your help. What do you need from me? The Guardians have been sending waves of armies at us to try to secure the gate. One of them made it through. So did Gage. I know all about Commander Gage. We can't hold them off much longer. The commander nearest your position drew the short straw and is isolated from his fellow thugs. He's a prime target. Dom and I can hold off the other commanders for now. Be careful, Ivan. If my data is accurate, the Guardian ACUs are piloted by common criminals. But we need to get to Seraphim 7 quickly. Wonderful. Comment ça se fait qu'ils sont pas en prison? Donc au début de partie va être plutôt simple, croyez-moi. You have no chance of victory here. Just your end. Voilà. Donc on a perdu une tourelle. Bon, pour récupérer toutes les ressources que vous pouvez récupérer, bon, comme vous voyez, c'est l'ancienne base du Cibran que nous avions peut-être un petit peu tué en tant que Talia Kell, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout ça, ça sera bon. Là, ce qui est dommage, c'est que toutes les ressources sous un ancien site n'existent plus. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je n'utilise pas plus mon XP. Pour ça. Voilà pourquoi j'attendais. J'allais pouvoir faire ça bien. Directement prendre l'autre niveau de 10%. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui reste? C'est Trancheur d'âme 2. Alors, peut-être la seule unité que je trouve encore stylée dans le jeu. Après tout ce qu'on a eu avec les autres unités qui ressemblent plus à rien, celle-ci a un petit style quand même qui a survécu, quoi. Elle est pas trop ratée. Enfin bon. Donc, beaucoup de recherches à faire. L'unité à méga armure à vitesse réduite augmente la durée, diminue la vitesse de mouvement pendant une. Augmente la santé, diminue la vitesse de mouvement durant une durée déterminée. Au milieu d'une base, au milieu d'un gros combat, c'est génial. It's complicated. We have issues. Sans déconner. Non, c'est tout. Bon, c'est dommage qu'ils aient recyclé cette map, mais vu l'histoire, c'est logique qu'on retombe dessus en fait. Donc pour moi, ça me dérange pas, étant donné que. Narrativement, c'est justifié. Ça me dérange plus quand on recycle une map et que narrativement, c'est non justifié en fait. C'est pour ça qu'à dernière map de Supreme Commander 1, moi ça me dérange absolument parce que narrativement, c'est justifié. Supreme Commander Forgotten Alliance, on fait à chaque fois même map, on va dire que c'est justifié, mais on fait même map et même objectifs, y'a rien qui change. Refaire une map avec des objectifs totalement différents, ou similaires, mais où tout a changé,
orientation en manière dont elle fait un map, c'est moins dérangeant, je trouve. Après, bon, j'ai peut-être une vision erronée du jeu. Possible. Possible, possible. Donc là, on va faire plein de trucs de recherche, plein de stations de recherche. Oui, je vais en faire 25. Oui, je n'ai pas de pitié. Oui. Enfin, on va dire qu'il va faire ça déjà. Parce que faut. Donc vous voyez, en ressources, j'ai énormément de ressources en début de partie, parce que j'ai recyclé quand même une bonne partie de ma base. Hein, on va pas se mentir. Commander under attack. Or, structure, on va diminuer ça. Commander under attack. Do either of you have any idea why these Guardian commanders are no longer in prison? I might be responsible for that. Should we be aware of any other crimes you've committed? That about covers it. But remind us again how this gate became so accessible to everyone. Hey, stop it, both of you. Hey, deux, ils commencent déjà à se prendre le chou. À s'acquiner, j'irais plutôt. Allez hop. Niveau ressources, on est par contre très limité. N'avoir que. N'avoir que deux. Que 5. Voilà, chercher 5 extracteurs de masse. Je trouve que c'est limité dans une mission comme ça et ça ralentit beaucoup le gameplay. Bon, mes tourelles sont déjà bien up étant donné que j'ai quand même mis. Donc, quand même beaucoup de vie en plus. On va encore rajouter 25% de vie en plus. Donc. Voilà. Alors, faut savoir qu'il y a plein de choses qui ont changé pour Essibrand. Notamment ici, on voit un missile nucléaire et défense nucléaire. Maintenant, vous avez un défense et un missile nucléaire. C'était modifié lors d'un patch en escarmouche. Et pour multi, c'est trop fumé. Vous faites une recherche, vous avez deux bâtiments. Qui coûtent, au total, technologiquement, qui coûtent moins cher que les deux autres factions. Que de faire être deux dans les autres factions. Conversion de masse, c'est pareil. Dans la campagne, c'est qu'un truc qui va sur le générateur d'énergie, donc une fois recherché, tous les générateurs d'énergie peuvent convertir de la masse. Mais en multiplayer, ce n'est plus le cas. C'est le bâtiment, c'est comme dans les autres factions, vous devez construire un bâtiment pour que ça soit fonctionnel. Ce qui est pas plus mal non plus. On voit, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Ce qui fait que le jeu de base, le jeu comme il est là, il y a beaucoup de choses qui sont méconnaissables. Par contre, c'est vrai qu'ils. J'ai pas fait gaffe, mais je crois pas qu'ils aient d'amélioration des centrales énergétiques. Ce qui, à mon goût, le gros souci des Cibrans. Bon, vous imaginez si en plus ils pouvaient améliorer leur truc énergétique. Cette faction-là, c'est leur petite faiblesse économique qu'ils ont. Vraiment leur petite faiblesse. Sinon, ailleurs, ils sont tellement forts que voilà. Quoi. Pareil au niveau, vous n'avez pas de structure qui permet d'augmenter la vitesse de recherche. Mais vous avez autre chose. Le proto-cerveau que vous avez vu dans la première mission, ben, c'est un centre de recherche dans le programme expérimental que vous pourrez construire plus tard. Voilà, comme ça. There are additional assault blocks on the battlefield. It is worth noting that these are powerful units. I got it. Voilà, donc faut se méfier de ça. Des blocs d'assaut. Les sillons nucléaires, bon ben, vous me connaissez ma technique de joueur. This is just like old times, eh, Ivan?
I don't recall being fired on by ex-cons during our academy days. L'avantage, c'est qu'ici, en mettant ma pointe de défense là où je l'ai situé, j'arrive à stopper une partie des assauts en fait sans vraiment mettre en danger le reste de mon armée. Ce qui est assez agréable. En fait, c'est ici, j'arrive à dégommer toujours quelques unités avant qu'ils arrivent ici, donc ça simplifie leur défense à eux. D'une certaine manière, je fais diversion. Ah bah voilà, maintenant je me souviens pourquoi je faisais de la dessire. Commander under attack. Bah, l'avantage c'est qu'il va normalement focus mon commandant. Je mets en bunker comme ça il est très résistant. You should consider researching the new technologies I've made available to you. Commander under attack. Alors ça peut surprendre, mais croyez-moi, c'est une bonne idée de faire tout ça. J'y mets vraiment l'arrache, mais il me faut protéger ces CIO parce que sinon ils vont m'envoyer des... Je vais te faire ça. Ils vont envoyer plein d'unités aériennes sur mes centrales, j'aimerais les protéger au maximum. Donc voilà, le bloc d'assaut maintenant qu'ils dirigent. Je sais pas s'ils dirigent sur moi ou pas, ou sur ou au middle, mais j'aime bien toujours, après qu'on soit en défense ici, pour vraiment protéger l'entrée sud. Voilà. 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 On a réussi déjà à faire pas mal de recherches. Tac, tac, tac. Donc dégâts plus 1%, décadence de tir plus 30%, ça c'est pour les canonnières, de manière générale c'est ultra fumé. Et dégâts c'est pour tout le monde. Et là, je peux faire déjà une salve de nuke. On va préparer une salve de nuke. Et maintenant, on va continuer la défense terrestre. Tac, 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 et hop, démoli. Ah, ça va être bien plus simple que les autres missions, croyez-moi. Voilà. Donc cette mission est assez simple, faut quand même que je commence à préparer les inventeurs d'âme. Je suis un ingénieur, je cours. Voilà,
toujours faire gaffe quand même aux unités aériennes. Je vous rappelle que les améliorations n'affectent pas les prototypes, ça sert à rien. Les personnes qui mettent en commentaire qui disent ah mais en fait je pense à une vidéo, c'était avec FTU, je parlais de l'Atlantis. Je peux vous certifier que les améliorations de torpilles, de défense terrestre, n'affectent pas l'Atlantis. L'Atlantis c'est uniquement des canons de surface. Vous avez qu'à le... pour ceux qui ont joué, vous avez qu'à le tester si vous avez un doute. Voilà. Donc, je préfère. Je préfère leur dire. Voilà. The Soul River can be constructed at an experimental air factory. This will give us air superiority. Voilà, donc c'est vraiment une unité de d'escadronnière, mais il... certes, il est pas... c'est pas une unité de chasseur expérimental. Mais il possède quand même. Il y a des canons en fait anti-aériens qui sont très puissants pour. Là, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis des tourelles autour des sillons nucléaires. D'ailleurs, je suis sûr d'avoir. Artillerie gourde aussi, ça. Donc je sais que les recherches ne s'appliquent pas aux unités aériennes, mais ça c'est un petit, ça vient de moi en fait. J'ai l'habitude de, quand on me dit de rechercher un prototype dans une catégorie, j'ai l'habitude de rester beaucoup dans cette catégorie en fait dans mes recherches. Alors on va aller ici, on va donner un petit coup de main dans la défense. Ouais, je pourrais faire l'artillerie en portée. Je vais rechercher déjà surcharge. Je bloque déjà deux chemins d'accès, donc faut quand même peut-être pas trop m'en demander déjà. Enfin, je bloque déjà un bon chemin d'accès. Ouais, l'artillerie gourde. Voilà. Cette unité là. Il va faire ça, il va patrouiller là. Il va me construire deux défenses de. Trois défenses de plus même. Puis après il pourra repatrouiller. Voilà, donc là je récupère carcasse des oursisseurs, parce que ça rapporte beaucoup de ressources. Et que c'est non négligeable. Donc un inventeur d'armes prend 2 minutes 30 à être produit. Je crois que Canonier Ion a à peu près la même durée de fabrication et que tu vas préparer. Peut-être un peu moins cher du fait que c'est en entière, il est beaucoup plus. Je crois pas qu'il y ait d'entière d'ailleurs à Canonier expérimental. Zéon. On va vérifier. After we're done with you, your family will follow. Donc ça, on fait une nuke de plus. Ici, on va tout transformer. Voilà. Les inventeurs d'âmes, en fait, j'ai beaucoup joué au nuke sur cette mission. Les inventeurs d'âmes vont avoir comme but de... Ah, de démolir, on peut dire ça. Ils vont avoir comme objectif de démolir le... démolir la... défense anti-missile stratégique de mes adversaires. Et une fois qu'elle est démolie, ben c'est facile de savoir ce qu'on fait, hein. Alors ça c'est bon, au niveau structure on a tout naval, on s'en fiche un peu. Tac tac tac, méga armure c'est quand même bien. Normalement il est juste derrière. Non, il est juste au milieu.
Non, mais... Je répare plus vite que je démolis. Mais n'importe quoi. Mais ce... You cannot hide. There's no escaping us. C'est n'importe quoi. Vraiment. Ça se voit que je suis en difficile, sincèrement. Ça se voit qu'ils ont que bonus de réparation des unités, hein. Sinon c'est pas possible. Je crois qu'ils ont 50% de vitesse de réparation plus élevée ou un truc comme ça. De toute façon c'est simple, ce fut d'aller en escarmouche, faire IA personnalisée, regardez le... Bah je suis con, je vais faire ça comme ça. J'ai tellement de silos que normalement je devrais pouvoir saturer le truc sans aucun souci. Je crois qu'ici il y a des trucs de recherche. Donc voilà, ici encore une fois ma défense tient pas. Ma défense ici a quand même pris beaucoup de dégâts, j'ai pas trop fait attention. Un bouclier. Alors cette défense antiaérienne, vous comprendrez plus tard pourquoi elle a fait. Voilà. Plein de masse. Mais vous pourrez plus tard vous me remercierez de l'avoir fait en fait. Ça me rend fou de voir des unités aussi puissantes, enfin... Je connais la puissance des ventreurs d'âme, quoi. Mais vu que je suis en difficile, mes adversaires sont ultra fumés. Vous voyez, les défenses antiaériennes de leur groupe au sol, il n'y a quasiment rien. Ah, vu que c'est des canonnières, mon armement de canonnières peut tirer dessus. Hein. Mais l'armement tient rien aussi, du fait que c'est des unités volantes. Voilà. Prépare bien les choses, de toute façon là. On va prendre notre temps, on va préparer ça correctement et on va éraser correctement. Donc ici on va préparer 4 pièces d'artillerie expérimentales. Pas expérimentales mais 4 pièces d'artillerie standard. Voilà. Alors j'ai fou au centre et pas un autre endroit pour vraiment pouvoir bombarder toutes les bases, y compris celle la plus au nord. Naval. Moi je bateau toutes les recherches, mais voilà. Voilà. Donc mes tirs vont rebondir sur un bouclier, c'est pas un problème. De plus, eux ils profitent, mes boucliers profitent du bonus de cadence de tir.
Donc croyez-moi, on est dans une excellente position. Vous voyez les dégâts que subit. Freedom never tasted sweeter. Encore une fois, avec 3 nukes qui sont partis, mais c'est pas grave. Alors, j'essaie de sauver quand même mes inventeurs d'âme, de sauvegarder le plus longtemps possible. Voilà. Et quand on élimine un, vous gagnez de la recherche. Bah, lui, il est mort. Alors, lui, de mémoire, gagne des... De mémoire, c'est une plaie, il a mal mis ses défenses. Le suivant. Bon, c'est défense stratégique, je sais pas. De mémoire, il a mis une défense stratégique ici et une là. Et enfin une à opposer. Le problème c'est que je peux pas savoir à porter, je fais que je peux pas faire un copier-coller. Enfin bon, c'est pas grave. Bah hop. On a assez de masse. Faudra que je répare par contre ces ventreurs d'âme là, ce qui est quand même assez pratique. Disons que si je peux. Donc le but c'est quand même d'essayer de sauvegarder mes ventreurs d'âme parce qu'ils sont ultra puissants et surtout. C'est une terrasse, si je les sauvegarde, je n'aurai pas besoin de reconstruire quoi. Ça permet d'accélérer un peu la vidéo. Encore une, d'accord. On ne sait pas pourquoi il y a des CEO qui restent des têtes nucléaires alors que d'autres non. Donc là j'ai pas envoyé au bon endroit mon commandeur, j'aurais dû envoyer plus sur le côté. Mais là je vais frapper juste derrière. Donc ici il y a trois trucs deux caches technologiques autour de ce point et des défenses que j'ai annihilé en une frappe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il manquerait un radar d'ailleurs, j'avais pensé. Donc radar ici. Ça, c'est que je crois que vous en avez construit 5, c'est vous avez ça, mon objectif secret, c'est pour ça qu'il en faut autant. Ah ouais, la base là-haut, elle va être chiante à démolir.
En plein milieu, c'est trois usines de prototypes. Enfin, de fabrication de prototypes. Et parfois quand je donne l'ordre de balancer des nukes, il les balance pas. Enfin bon. On peut pas démolir les temples spatiales, je sais pas pourquoi. Non, même mis la deuxième nuke. Il sera encore en vie. Bon, là on peut s'amuser un peu à démolir tout ce qui est appelé DCA en priorité. Mais en même temps, ça XP un peu nos éventeurs d'âmes. Plus nos éventeurs d'âmes sont XP, plus ils ont de vie. Donc on va un bouclier, ouais. Donc un bouclier. Ils ont un avion espion aussi, les Cibrans. Je suis en train de réfléchir à ce qu'ils ont d'autre dans le pack secret. C'est un avion espion, ce qui est vraiment ultra pratique. Vous faites ça, vous balancez dans la base ennemie, vous voyez tout ce qu'il y a et voilà. J'ai envoyé un seul éventreur d'âme. Alors, je sais qu'on n'y voit rien, moi aussi j'y vois rien. Mais il semblerait que l'artillerie fasse son boulot. Pour une fois. Ouais, il va être détruit avec l'artillerie, ça sert à rien que... Ça sert à rien que j'envoie mon éventeur d'âme, il va juste se faire tirer dessus, ça serait bête de le perdre à cause de ça. Il est presque détruit en plus. Voilà, en plus je... Yes, Commander Larson is down. Ivan, this uncharacteristic display of emotion is most curious. Voilà. Et vous détruisez presque ça, le temple spatial à cause du commandeur, mais vous détruisez pas, ce qui est toujours dommage. Que temple spatial a détruit, c'est-à-dire que la porte A est détruite, quoi. Je crois que... roi du nucléaire, c'est sur celle-ci. Je sais plus si c'est sur celle-ci, roi du nucléaire. Non, c'est un autre FTU, roi du nucléaire. Donc, Hermono, bien évidemment. Ça, je pense que vous n'êtes pas surpris d'en voir un. Bon, bien évidemment. De toute façon, les canonnières contre des canonnières expérimentales ne font jamais pas bien longtemps. Par contre, des chasseurs contre des canonnières, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Vite détruit, vite rangé. Je réfléchis en fait comment je scoute sa base là-haut. J'ai 4 nukes, non. Ouais, j'en ai 4. Bon, au pire, bah, si je me loupe, mais ça sera que je... Faut juste que je termine l'emplacement de tous ces trucs de défense stratégique et hop. Jeu de mémoire, le problème sa base est en rond. Donc en rond, c'est une base ronde est plus facile à défendre des défenses stratégiques.
Guardians, and the UEF to stop us when we get hold of Shiva. Putain, par contre... Non, ouais, ils ont même maniabilité pourrie que ces hommes. Il y en a en haut aussi. Un Dark Noy comme prévu. Bon, bien évidemment, les leurs sont boostés, donc ça donne, c'est pas la même chose quoi. Et bah, parfait. Faut vite que j'aille démolir Sula, parce que normalement ils auront pas le temps de construire un, mais on sait jamais vu comme il a cheat. Hein. Donc, la Dark Noy qui va faire beaucoup de dégâts s'ils écrasent. Hein. Hop, 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 hop. Donc voilà, 2 là-haut, pousser 2 là. Donc pile 5, c'était le bon nombre. Mes missiles nucléaires. Mes inventeurs d'armes, j'aimerais bien qu'ils arrivent à s'échapper. Ma frappe nucléaire, voilà. Le commandant va peut-être être démoli dans l'histoire. C'est bon. Le nucléaire résout bien les problèmes. Dominic, you must remain here with Thalia to defend it from any other guardians. I have a score to settle with Gage. You must stay here with Dominic. I can assure you that I will show him no mercy. As for both of your legal issues, my father has been in contact with the UEF and Illuminate governments. Ooh, see, that's not so good. I have a family I'd like to see again, sometime this decade. The UEF is aware that Rogers overstepped his authority, so you're looking at an honorable discharge. Thalia's situation is more complicated. I've accepted my fate. I just want to see my brother one more time. Very well, my friends. I wish you continued luck. I'm ready to return to Seraphim 7. I am quite interested to see what Commander Gage has done with the place. Vous êtes au courant qu'il était sur Seraphim 7 alors. La première planète où on a allé. Bon, mission des Cibrans, c'était sur la même planète. On va voir à quoi elle ressemble maintenant. Donc voilà, j'ai. Mission assez simple. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Encore merci de regarder cette vidéo en ma compagnie.